Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Truck Simulator 2 pour un nouvel épisode de l'hebdo du routier le 21. C'est parti! Donc au programme aujourd'hui les amis, donc on part c'est des noms à la noix à chaque fois, de Dortmund et on va jusqu'à Gdansk. Voilà, Gdansk, me dites pas que c'est un nom tout à fait normal. Hein, c'est quand même un peu bizarre. Bref, et donc aujourd'hui on est en Volvo FH16 les amis. Hop, on a un yacht de 6 tonnes aux fesses. Et juste je vais avancer un peu pour vous montrer quand même le skin, voilà, parce qu'on est avec le Raven Truck Design Pack, donc avec le nouveau DLC de peinture. Donc voilà, je vais y revenir un peu sur le DLC après. Donc on est sur la neige, oui, j'ai pris la neige parce que bon, c'est pas tout le temps l'hiver, donc j'en profite un peu. Après, je pense on va repasser évidemment sur le sec un peu plus tard, mais bon, d'ailleurs, je dis vraiment repasser sur le sec. Parce que c'est vrai que moi d'habitude, attendez, je vais recouper le moteur. Je désactive la pluie parce que c'est pas quelque chose que j'aime spécialement dans le jeu. Je trouve que c'est pas suffisamment en fait bien fait pour que ça mérite d'être activé. Voilà. C'est à peu près tout, donc on va pouvoir y aller. Hop. Alors aussi, je suis revenu sur la neige pour vous montrer un peu ce que je n'avais pas pu vous montrer dans la vidéo de Noël. Donc sur ce Winter Mode. Parce que bon, il faisait pas nuit, donc. Enfin, il me semble qu'il faisait pas nuit, je me souviens plus très bien. Voilà, une petite guirlande de Noël, très sympathique. Donc, hop, on va essayer de passer devant le notre garage. Donc, c'est de ce côté. Tout simplement parce que au garage, il y a un sapin, il me semble. Je suis pas sûr. Il y a des chances. Non, c'est que sur le grand garage. Alors où est-ce que je peux vous trouver un sapin? Va falloir qu'on tombe sur un rond-point les amis. Pour qu'on voit bien l'éclairage en fait, parce qu'on l'avait vu de jour, mais de jour évidemment l'éclairage, c'est pas fameux. Je pense que vous pouvez, pouvez imaginer le truc. Alors juste si je trouvais... Il n'y a pas de rond-point, voilà, c'est la seule ville du jeu où il n'y a pas de rond-point. Et j'ai besoin d'un rond-point. Bon, on verra ça un peu plus tard alors. De toute façon, on va pas faire la mission en entier, elle fait plus de 1000 km. Ils éclairaient vraiment rien là, mes codes. Donc évidemment, on s'arrêtera dans une ville ou deux. Puis déjà, voilà, pour changer un peu d'environnement, tout ça. Donc, dans tous les cas, voilà, on pourra en profiter pour voir notre petit sapin. Donc je mets le régulateur de vitesse à 90 km/h. Pour tout vous dire, le Winter Mode, je le préfère de nuit que de jour. Voilà, parce que de nuit, bon, on voit pas trop déjà tous les défauts qu'il y a. Et puis, je sais pas si avec l'éclairage ou comme ça, qui est plus blanc, je sais pas du tout. Hein, mais je trouve que ça fait un peu plus sympathique. Alors, j'espère que vous entendrez pas de frottement, parce que j'ai mis mon micro un peu bizarrement. Et alors, je sais pas. Ça fait du bien d'avoir 750 chevaux là, ça faisait des semaines et des semaines qu'on était en 710 ou je sais pas quoi. Donc là, on peut un peu se faire plaisir. Voilà, même si on a le limiteur. C'est vrai que sur le serveur donc d'Europe 2, j'y vais pas trop parce que la dernière fois que j'y ai été, deux fois de suite, je me suis fait kicker parce que j'avais un ping trop haut et je mets un quart d'heure à me connecter. Alors, Tonius, pareil, il a beaucoup de mal à s'y connecter. Dis donc, ça commence à m'énerver, ça. Donc oui, Tony aussi a du mal à s'y connecter, donc bon, je pense que c'est assez général. Mais bon, c'est pas tellement agréable, du coup, bon, je vais pas dessus. Voilà. Donc en gros, les vidéos, ça sera EU1 ou US1, même si j'ai vu que il y avait un EU3, je crois, qui était en train de... Enfin, qui était ouvert, là, mais juste
accessible pour les admins, je pense, parce que nous on l'a pas dans la liste, ou alors pour la prochaine mise à jour, je sais pas. Donc on va voir ça. Donc dans la prochaine mise à jour, les amis, donc si vous ne le savez pas, il y aura aussi les doubles remorques. Donc moi je trouve que c'est très bien parce que ça rajoute, voilà, un peu de difficulté. Vous savez que j'aime bien ça quand il y a de la difficulté. Mais voilà, d'un autre côté, on en parlait avec Oignon. Et que c'est vrai, donc pour les petits, comment dire ça? Voilà, ceux qui savent pas rouler, c'est pas vraiment bien, voilà, quand... Bon, évidemment, je pense qu'on aura le choix entre remorque simple et double. Mais il y en a certains, je pense qu'il vaut mieux pas qu'ils essaient de conduire des remorques doubles, voilà, parce que, notamment aux bretelles d'autoroute, ça peut coincer un peu. Voilà, je pense qu'il faut savoir un peu maîtriser la bête et faire un peu attention aussi. Voilà. Alors je sais pas trop où mettre, donc j'essaie de me mettre dans les traces de pneus là, mais bon, je me dis que, en fait, l'autre jour là, ça fait 2 fois que je vois quelqu'un qui roule. Moi, je suis sans la neige et je vois quelqu'un qui roule complètement sur la bande d'arrêt d'urgence et même au niveau de, par exemple, voilà, il serait comme ça ici. Il roulerait comme ça, alors je sais pas, je me disais, ouais, c'est peut-être parce qu'il a la neige et on voit pas trop les lignes et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même les traces, alors je ne sais pas trop quoi penser. Je vais mettre un peu les gyrophares. Hop, voilà. Ah ouais, la nuit, ça va bien. Nickel, nickel. Bon, les amis, alors pour ce DLC de Raven Truck Design, un truc comme ça là. Donc dedans, vous avez deux peintures, hein, une la dorée qui est celle-ci. Qui est donc fixe, on ne peut pas la personnaliser. Une deuxième sur le même modèle où on peut là choisir les couleurs à notre guise. Alors je vais juste m'arrêter un peu. Touc, très vite fait. Mince. On va 30 secondes regarder un peu dans quelle ville on peut éventuellement s'arrêter. Donc je pense qu'on n'ira pas plus loin que Poznan, ça c'est sûr. Mais donc j'ai pas trop envie de m'arrêter à Berlin. Peut-être qu'on peut faire, ouais, déjà on peut faire une petite escale à Hanover. Juste pour le fun. Alors si j'avais été avec un camion très lent, j'aurais été fait remonter la carrière parce que c'est quelque chose d'assez sympa. Ouais, on fera, bah, allez, une petite escale à 9h. Bon, de toute façon, j'ai oublié, alors ça va rien changer, mais bon. Ah mince, je croyais que j'avais éteint le moteur. Et oui, parce qu'on n'entend pas tellement quand on est. Quand on appuie pas sur la pédale. Là, pour le coup, je pourrais faire. En fait, on peut carrément démarrer en 12e avec ce camion. Avec 6 tonnes aux fesses. Allez, bon, là, ça monte un peu, alors ça risque d'être long. Allez, on va démarrer en 9e. Les amis, est-ce que vous voyez beaucoup de camions dans la réalité qui démarrent en 9e? Dites-moi franchement. Je m'arrête en plein milieu de l'autoroute, moi je suis normal. Enfin bref. Donc voilà, donc pour avoir ce DLC, parce que j'y reviens, oui, maintenant que j'ai fini de faire le petit bisu. Donc pour obtenir ce DLC, donc il faut faire 5000 km sur cette nouvelle mise à jour avec les remorques du DLC de Noël. Donc pas du DLC de Noël, les remorques de la mise à jour 1.15 là, qui sont donc les remorques de Noël. Donc voilà, faire 5000 km, enfin je crois que c'est 5000, un truc dans ces eaux-là. Donc vous pouvez accéder à votre progression sur votre compte World of Trucks. Donc sur l'onglet Profile, vous descendez un peu et vous avez le pourcentage. Donc en fait, moi je l'ai pas fait assez rapidement. Je l'ai pas fait très rapidement. Parce que, comment dire, je roulais pas mal, mais je roulais en fait sans faire vraiment la mission et sans les remorques de Noël. Voilà, j'ai essayé de prendre des grosses remorques. Du DLC, comment il s'appelle déjà? Je sais même plus comment il s'appelle moi. Bref, les grosses remorques du DLC, genre tronçon de pipeline, des trucs comme ça.
Puis je me baladais, voilà, tranquillou dans les villes, je sais pas quoi. Ah, peut-être que c'est là que le mec qui roulait comme ça. Là, je le crois. Même si, bon, avec un peu de bon sens, on n'y roule pas. Après, est-ce qu'on sent les vibrations de la bande rugueuse? Non, non. Ah si! Si, on le sent en plus. Et bon, on le sent pas partout, hein. Bon, là, il y a quelques petits trucs à corriger quand même. Parce que franchement, là, on sait pas vraiment où aller. Faudrait, en fait, ce qu'ils auraient dû rajouter, c'est des petits chasse-neige là, par endroit. Alors, je sais que sur le. En solo, je crois que. Qu'il y a en fait. Les camions qui sont équipés en fait d'une lame à l'avant pour bah, chasser la neige. Sans que ça soit à proprement dire des chasse-neige, je crois. Ah, quoique, ils ont peut-être un truc de sel à l'arrière. Enfin, je sais plus, franchement. Ça date du début décembre que j'ai fait ça. Alors, c'était avant qu'il y ait la mise à jour du multi. J'avais téléchargé le même Winter Mode. Qui n'est pas d'ailleurs la série traditionnelle du Winter Mode, je crois. Hein. C'est une autre série de Winter Mode qui a été sortie. Enfin, bref. Ça me stresse là, je sais pas où je dois rouler. J'aime pas ça, les amis, j'aime pas ça. Eh ben voilà, j'étais pas bien placé. Ah là là. Donc de quoi je devais vous parler ensuite, les amis? Donc je vais vous parler peut-être 2 minutes de farming. Je suis en train de me creuser la tête en ce moment parce que je sais pas comment m'organiser en fait. Je sais pas si je fais une, deux carrières suivies. Je ne sais pas, voilà. Je sais que je vais avoir encore moins de temps qu'avant. Mais en même temps, j'ai tellement envie d'en faire deux. Je sais pas, parce que j'ai pas envie non plus que ça soit des séries complètement laissées à l'abandon, parce que j'ai pas le temps. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas trop quoi dire. Quoi, pas quoi, pas, je ne sais pas quoi trop quoi en penser. Ouh là là, les amis, j'arrive plus à parler. Alors peut-être que. Oui, ben, je vais mettre les warnings quand même parce que je suis pas censé m'arrêter là. Ouais, on aurait pu prendre la prochaine sortie. Bon, c'est pas grave. On y est. Allez, allez, il y a encore une petite marche là. Les gens qui vont arriver vont croire que je bloque. Mais non. Oh! Oh! Ça fait mal. Hein, ça fait mal. Voilà, mais je voulais vraiment quand même faire une petite pause parce que c'est une mission assez longue, même si on va pas la faire en entier. Et pas forcément. Alors je me demande, oui, je pense qu'il y a deux fils quand même. Ouais, donc une mission assez longue. Oui, en fait, c'est juste que ça a été décalé. En fait, ils ont mis une bande d'autoroute, je pense, là, un sol d'autoroute. Alors je m'arrête au feu parce que je sais pas où je vais. Donc là, c'est la Syrie, si on a besoin de faire le plein, donc on va aller tout droit, tout simplement. Alors par contre, j'ai pas pensé à regarder si. Parce que je sais après qu'à Berlin j'ai le grand garage. Non, là il n'y a pas de rond-point. Les amis! Je vais pas y arriver. Hein. Saleté! Peut-être que dans la station de bus j'ai pas pensé, mais il me semble que éventuellement il pourrait y avoir un petit sapin de Noël. Enfin, un petit sapin de Noël là dans le jeu c'est quand même. Wouah! Wouah! Le freeze, les amis, attendez. Wouah! Ah d'accord. Ah ouais d'accord. En fait là ça m'a carrément enlevé la vitesse comme si j'étais sorti du jeu là. Ouh, mais ça, mais j'ai jamais vu ça les amis quoi. Bon pourtant en ville ça lag pas tellement. Un tout petit peu ralenti mais voilà. Je sais pas où aller. Allez on va passer là-bas. On fait péter les chevaux les amis à 90 en ville. Peut-être pas. Je vais peut-être pas rester à 90. Où vais-je?
peut-être rétrogradé. Ouais, j'étais très large. Alors, est-ce qu'ils ont mis un petit sapin de Noël? Non. Les méchants! Oh, pourquoi ça lag? Les amis, ça laguait pas il y a 30 secondes là. Ouais, combien? Pourtant, ouais, 22. Bon, on a déjà fait pire. C'est louche, les amis, c'est louche. On va peut-être regarder à droite et à gauche. Je vais essayer de rouler un peu comme ça. En me mettant dans cette position, je gagne 20 images de seconde, c'est merveilleux. Ah punaise, je fais que caler. Oh non, Coco, c'est vert pour moi. Bon, ça prouve bien que c'est toujours pas synchronisé. Hein. Allez! Après, je trouve sympa de voir la roue qui tourne comme ça aussi. C'est pas mal du tout. Par contre, je vais mettre en rétro parce que sinon, je sais pas où je vais. Et même si en vue intérieure, j'en ai pas besoin. Là, ça me permet d'avoir quelques repères. Oh non! Pourquoi il me refait la même là? Ok, franchement, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est horrible. C'est horrible. Est-ce que c'est la nouvelle mise à jour qui fait que ça fait ça? Je sais pas. Parce que en solo, jusque-là, ça me l'avait fait. En vidéo, dans les précédentes mises à jour, ça me le faisait pas. Lui, il commence un peu à me faire chier à s'arrêter à tous les feux qui sont rouges, là. Enfin, rouge pour moi. Alors, donc on va s'arrêter. Bon, on ira jusqu'à Berlin, ouais, parce qu'à Berlin j'ai un grand garage. Comme ça, on pourra avoir un petit aperçu de ce qu'est le sapin de Noël sous la nuit, tout magnifique. Enfin, je pense qu'il est beau leur sapin. Il est beau, il est beau. J'en ai pas fait un aussi joli chez moi. Enfin, bon, en même temps, il est un tout petit peu plus petit. Il a pas de neige et tout ça. Mais bon, c'est pas mal quand même. Allez, on fait péter les chevaux, les amis. Dis donc, et en fait, tout le temps où j'étais pas là, où je pouvais pas faire de vidéo, j'étais plus enrhumé. Et là, je reviens, je dois faire des vidéos, je suis à nouveau enrhumé. Enfin, pas vraiment enrhumé, c'est vraiment ma gorge en fait qui est prise. Mais bon, c'est pas agréable. Ni à entendre, ni à parler avec ça. Je peux vous l'affirmer. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à la rentrée, ça va être un peu compliqué. Je sais pas comment je vais faire trop mes vidéos, comment m'organiser. Je sais, ce que je sais, c'est que je vais pas essayer d'en faire beaucoup, beaucoup. Parce que voilà, si je m'écoutais, j'aurais vraiment envie d'en faire. Dès que j'ai du temps, mais en fait j'en fais, dans ce cas-là, je vois du temps là où je n'en ai pas. Donc c'est toujours un peu, ça pose un peu problème à la fin. Puis je vais avoir d'autres choses à faire, voilà, qui vont prendre pas mal de temps. Ça pendant, franchement, je pense 2 mois, 1 mois et demi. Même après ça, je vais quand même ralentir un peu. En fait, ça va être complètement aléatoire. Déjà, avant les vacances, ça commençait à être un peu aléatoire. C'est vrai que pendant les vacances, après, je me cale un peu plus. Bon, sauf pendant les fêtes, là, c'était un peu plus complexe. Mais sinon, je me cale plus, parce qu'évidemment, j'ai plus le temps. Mais bon. Voilà. Alors, un petit aperçu de là où on est, les amis. Donc là, on va arriver à Magdebourg. En fait, je sais même pas si on va avoir le temps d'arriver à Berlin. Bon, on va continuer, puis on verra, les amis, on verra. Je vais m'arrêter au niveau de Magdebourg, juste pour regarder, avoir une petite idée. De est-ce qu'il y a un rond-point où je pourrais avoir un joli petit sapin? Simplement.
Après, sinon, vous savez quoi, j'agrandis un garage. Y a no problème. Moi, ça me pose pas de problème. Alors, est-ce qu'il y en a des sapins aux stations essence? Parce que c'est vrai que je me souviens pas qu'il les ait tellement. Je vais pas ralentir parce que j'ai pas le temps. Mais je me souviens pas avoir vu des décos aux stations essence. Ça vaudrait le coup de regarder. Non. Dommage. Bon, mais c'est reparti alors. On va pas arriver à trouver notre petit sapin, les amis. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle une vidéo. J'avais fait une des premières vidéos sur le multi. Alors, je sais même plus si c'était sur cette chaîne. Non, je pense pas. Ça devait être sur mon ancienne chaîne. Ouais, merci l'ami d'être décalé. Oui, donc je sais pas si c'était donc sur cette chaîne ou sur mon ancienne. Si je me ralentir un peu qu'ils se rabattent. Pardon. Ouais, donc c'était oui, donc un des premiers jours du multi. Et j'étais totalement à la recherche de quelqu'un. Je me disais, mais y a personne sur ce multi. Genre au début ça devait être bloqué à, je sais pas, à 500 places. Et du coup on était vachement éparpillés sur la map. Entre ceux qui avaient le DLC, je sais pas, je savais pas en fait qu'il fallait les chercher. C'est vrai qu'il y avait des nids, voilà, les nids un peu actuels, Paris, Rotterdam et tout ça. Mais quand on est en mission, on voyait strictement personne. Et je me dis, en fait j'avais mis comme titre de vidéo. Je sais pas, genre mission du jour, trouver quelqu'un, ou à la recherche d'un ami, ou je sais pas quoi. Mais franchement on était solo solo et là c'est pareil, en fait, on est solo, on cherche un sapin. Bon, en fait, j'aurais pu dès le début améliorer un garage. En fait, ce qui me gênait dans ça, c'est que moi, j'ai envie d'avoir tel. En fait, c'est à chaque fois j'ai les capitales qui sont avec des grands garages, sauf Rotterdam parce que c'est un endroit où on passe souvent. Alors, j'y ai mis un grand garage. J'ai dit que je m'arrêterais par là. Hop, touc. Toujours pas de rond-point. Mais ça, je pense. Et c'est les Allemands, ils doivent être allergiques au rond-point. Hein. Je vois pas d'autre solution, les amis. Franchement. Quoique j'ai envie de rouler en ville, donc on va y aller. Je vais améliorer le garage. Finalement, on sera même pas allé jusqu'à Berlin. J'ai vraiment envie de rouler en ville. Parce que c'est un peu trop facile sinon de rouler. Sur l'autoroute, on met le régulateur, limite il y a le pilote automatique. Bon, franchement, c'est que des lignes droites. Bon, après les virages, c'est par période, donc limite on pourrait rouler sans les mains. Et dès qu'on voit une série de virages, bon, ok, je reprends le volant quoi. Limite, c'est ça, Euro Truck. Bon, dans la vraie vie, je vous avoue, je le ferai certainement pas. Mais là, c'est un cas un peu particulier. Allez hop, j'ai pas découvert cette petite route, cette petite partie de la ville, alors on y va. Alors, donc on va y aller. Bah, tout d'abord, on va aller améliorer donc notre petit garage, comme je vous le disais. Alors il est tout au fond, toi je sais pas trop ce que tu fais là. Je me gourde de boutons, je sais les amis, je mets les essuie-glaces en voulant klaxonner, mettre le clignotant, ce que vous voulez. Mais et vous voyez, hein, ça c'est l'habitude du. On a eu trop longtemps la mise à jour. La mise à jour en vidéo de. Enfin, la mise à jour de non-collision. Du coup, maintenant j'ai perdu l'habitude de regarder à gauche et à droite. Et quand je suis en solo, ça me le fait pas. Mais quand je suis en solo. Hors vidéo, ça me le fait pas parce que je suis vraiment concentré. Et là, je suis pas vraiment concentré, je suis en vidéo, tout ça. Et là, on se rend compte que vraiment, et voilà, j'ai perdu ce réflexe. Alors bon, il est bien beau mon garage là, mais moi, ce que je veux, c'est le sapin. Hop, le petit sapin de l'Élysée. Ah, parce qu'il passe mon yacht, il passe nickel. Ah, à peine éraflé le trottoir, mais je sais même pas si il est monté dessus. Et il est là, notre sapin. Il est là, le sapin de Tonton Zénix. Ah.
Isn't it beautiful, my friends? Ce qu'on va faire, on va aller faire une petite photo de famille avec le sapin. Alors du coup, je sais pas trop comment me mettre. Non, de l'autre côté. Ben, on va se mettre bien sur le trottoir. J'aime pas le moment où on monte sur le trottoir, où il y a tout qui bouge dans tous les sens. Allez, on va faire une vraie photo. Voilà. Donc. Et c'était pas mal avec le sapin dans l'axe comme ça. Ça manque un peu de luminosité, je vous l'accorde. Non, je réinitialise. Du coup, je sais vraiment pas comment mettre. Donc, j'enlève juste, voilà, les messages. On va réessayer autrement. Comme ça, c'est pas mal. J'essaie toujours de laisser un peu de place à droite pour le logo de, enfin, le numéro de l'épisode, si jamais j'utilise en miniature. Par contre, toc. Je rétablis. Et alors, normalement, en photo, c'est deux tiers, un tiers. Alors là, je sais pas comment le faire. Touk touk touk, si on met. Voilà, faudrait mettre sur le côté comme ça. Par contre là. Non. Bon, je sais pas, je prends les amis et puis on verra. Voilà, on ne s'embête pas. Hop. On repart et on va s'arrêter là. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était vraiment tranquille, improvisé. Voilà, on reprend doucement après Noël. Après le nouvel an. D'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année 2015. Un excellent jeu à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.